Salut à tous, ici Total Did et bienvenue pour ce nouvel épisode de ma campagne avec l'Écosse, hein. La dernière fois où on s'était laissé, on avait résisté à des sièges, le siège de Metz et le siège de Reims. À Metz, mes troupes ont assez souffert. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Pas du tout ce que je voulais faire. Et on est en train de se faire assiéger. Accepter celui-là par une armée écossaise, par une armée polonaise qui quand même a fait tout chemin pour arriver jusqu'à là. C'est génial. Nous sommes en plus, pour dire en plus, en guerre contre les autres, autres pays, et je suis en train d'envoyer des armées, des généraux pour essayer d'apporter un peu de réconfort à mes hommes. Maintenant, on va faire ça, la cathédrale pour le pape. Je suis pas en guerre, je suis allié avec l'Empire romain, mais bon, attention, nous sommes en guerre contre eux. Ouais. On reforme à ce niveau-là. On va recruter encore un peu d'infanterie. Les troupes ici sont larges, sont très amochées. Je vais donc, je suis donc, on peut dire, obligé de les envoyer se reformer. Celle-là, c'est vraiment risqué. Non, là, c'est ce que je fais, c'est risqué, car je peux. Voilà, je vais envoyer. Tenez, tenez, je vais envoyer ça. Parce que 6000 en m'attaque, je suis mal. Ici, ouais, Oslo, ah oui, je vais recruter des troupes. Je recrute au moins des cavaliers pour le bonheur. À ce niveau-là, ouais, est-ce que mon... C'est prêt. Ah bah tenez, c'est prêt. On va faire la bataille. On va faire le siège, on va assiéger la ville. Tout de suite. Membre de la famille. Alors quand je vois son armée. Son armée, c'est de la petite taille. Je peux très bien passer le tour, mais j'ai au moins envie d'assiéger. J'ai envie que ce soit moi qui assiège pour une fois. Ces déploiements, on peut avancer loin. Ouais, non, mais non, ça non. On va demander à voilà. Eh ben c'est parti, mon kiki. Bon, je vous cache pas qu'on va avancer un peu. Oula, ils prennent cher mes troupes. Mes troupes prennent cher. Vous ne détruirez jamais mon bélier. Par contre, vous êtes en train de détruire mon unité. Ouh, alors là. Ah là là. Alors là, je suis content quand c'est les autres qui m'attaquent car je vois qu'ils perdent plein d'hommes. Et moi, là, c'est moi qui vais perdre plein d'hommes. Mais bon, si ça peut me permettre de leur enlever un château, je suis preneur. Iscarde à pied, bon. Espérons que mon armée se débrouille bien. Ok. Désolé. Voyons voir un peu le combat.
Ah, alors là, mes hommes sont... Voilà, il y en a un peu qui se... Ils sont pas mal été montés. Mais mes hommes, je pars des hommes quand même, hein. Je sens que ça va juste être une boucherie. Quand je vois la situation, je vais envoyer cette unité en renfort. À ce niveau-là. Je perds pas mal d'hommes quand même. Les portes sont tombées, ben, on va faire une entrée. Hein. Je dis que leurs troupes c'est de la piétaille, mais... Non, vous. Vous et vous. Vous foncez. Nos soldats ont prouvé leur valeur en ce jour. Les murailles ennemies sont sous notre contrôle. Non, mais mes hommes sont en train de se faire massacrer. Accélère un peu. La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre. Au pluriel, général ennemi. Ok. Là, ils sont en train de... Ouais. On va faire un truc. Bon, j'accélère un peu pour... La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre. M'attendez pas à ça en fait. Voilà. Voilà, d'accord, c'est des paysans ça. L'ennemi est décimé de moitié. J'ai perdu, mais beaucoup d'hommes en fait. J'ai perdu beaucoup d'hommes. D'accord, il me reste une unité ici que j'ai pas vue. Je vais demander à mes unités d'archers d'approcher. J'aurai besoin de leur tir. Observons le combat ici. On va apporter notre cavalerie pour... Car il y a le général, ça va leur donner un peu de morale. Oh non, me dites pas qu'ils vont faire le coup de l'unité buggée qui va pas se battre. Allez, abattez-moi ces gueux. Oh putain, oh putain, oh, désolé, désolé pour la grossièreté. C'est pas ce que je voulais dire. Zut, zut, zut. Là, à ce niveau-là, ben, il n'y a plus personne. Voilà. Là aussi, on va accélérer un peu le processus. On va essayer d'en profiter là.
Ouais, désolé si je parle pas, mais je me concentre un tout petit peu. Là, il est mort, le gars. Là, il est mort. Ouais. C'est rien, ça. Allez, écrasez-moi ces cavaliers. Et le général est juste là. Nos hommes sont en passe de gagner. Continuons ainsi, et l'ennemi sera vaincu. Là, on pourra pas dire que les Danois ne se seront pas défendus. Hein. Ils avaient beaucoup moins de troupes que moi et m'ont infligé beaucoup de pertes. 38% de mon armée a été détruite. Bon, après, c'est vrai que même les tours ont fait du joli travail. Vous, attaquez toujours par derrière. Regardez, il est juste là, le général. Abattez-le-moi. Par contre, je vais demander à mes archers d'arrêter de tirer parce que ça fait beaucoup de morts pour rien tout ça. Attends, il est où mon général? J'ai pas envie de le perdre. Oh, il est là. Je vais le faire culer parce que j'ai pas envie de le perdre. Donc la résistance du général aura été superbe. Putain, il va traverser toute mon armée, lui. Voilà. Ça, c'est bon. Sur ce coup-là, je les plains, les pauvres. Courageux les fermiers qui m'ont causé quelques pertes. Mais c'est pas de simples paysans danois qui ont fait reculer l'armée écossaise. Je vous laisse admirer les combats qui sont d'une incroyable violence. Les Danois se battent à 100% pour protéger leur territoire. On peut les comprendre. Hop, et voilà, ils ont fait un mur maintenant, un simple mur pour essayer de résister. Voilà, je vais envoyer mon général les attaquer par derrière. Attends pas. Oh non. Je suis vraiment pas doué moi. Je me suis dit, allez, je vais le faire charger, il va pas mourir avec ce qui reste. Eh ben non, il faut qu'il trouve le moyen de mourir. Face à quelques pecnos.
les 5 derniers combattants. Qui, malgré le fait qu'ils aient perdu, continuent à me tuer des hommes. Nos hommes sont en passe de gagner. Continuons ainsi et l'ennemi sera vaincu. Oula, arrête. Morgue violence. Que la victoire soit un doux baume pour nos blessés. Nous triomphons. Yeah. We are the winner. Ben dis donc, là ils m'en ont causé des morts. 669 pertes sur 1417 déployés. C'est beaucoup. Mais bon, quand on assiège un château fort, rançonné, rejeté. Attendez. Je suis pas en guerre contre eux. Je vais garder ce fort pour me défendre. D'accord. Bon. Est-ce que j'ai pas une construction à faire par quelque part? Tiens, pour le bonheur, ça. Un champ. Artificier. Et baisser un peu les impositions et tenez, je vais construire tous ces bâtiments à la suite pour le bonheur. Oh no, really man? Are you serious? Are you serious? Vous pouvez admirer mon magnifique accent anglais. Bon. Pas de soucis. Il en reste... D'accord. Ah, ça, c'est les Polonais. Qu'est-ce qu'ils ont comme troupes? Ah, ils n'ont pas vraiment grand-chose. Ça tombe bien. Ouais. Faire très attention. Bah là, je vais développer encore mes défenses. Et je vais... je me prépare à aller assiéger ce château qui est à ce niveau-là. Je vais aller par... Qu'est-ce que je peux construire? Tenez, et ça. Je vais partir à la capture de Magdebourg. Un spécial. Communauté assiégée, merci de m'informer. Rapport, ouais, les Mongols sont toujours premiers pour l'armée. Annonce, d'accord. Construction, écurie. Désolé si je baille, c'est le début des vacances pour moi, donc je suis un peu fatigué. D'accord. Information diplomatique, là. Ah, la Pologne est excommuniée. Ce qui peut être intéressant pour moi. Les gars... Et voilà, croisade lancée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, avec l'armée qui est ici, partir à la conquête de Riga. Allez, je suis un ouf, je pars maintenant. Ah, il ne me dit pas qu'il va tuer mon général, lui. Hey, les orthodoxes, dégagez de là. J'apporte la parole de mon peuple, noble seigneur. Pas de soucis. Merci de nous avoir accordé... Les accords commerciaux, j'aime ça, moi. J'oublie qu'il y avait ces...
Briga, pas de soucis. Eh, c'est moi qui la lance la croisade, alors t'as pas à me dire ce que je dois faire, hein. Bon, lui il va aller là, lui il va aller là. Lui bah, il va aller là. La croisade grandit, Venise, ouais, mais attends, tu vas voir, attends, tu vas voir. Et voilà. C'est parti pour aller capturer Riga. Par contre, ouais, ils ont des armées en plus ici, ce qui n'est évidemment pas quelque chose qui me plaît énormément. Reconvertir, d'accord. C'est en expansion, Oslo. Je ferai ça plus tard. Annonce, d'accord. Rapport de construction, Helsinki. Je vais faire un forgeron. Oslo, on va attendre. Carnafon, un champ. Londres, la grande cathédrale. York, le mur. Voilà, réussite, participer à la croisade, parfait. Dégradation des relations, tu m'étonnes. Ils sont désormais en guerre. Hongrie contre Pologne, Venise contre Pologne, et les factions ont proclamé leur alliance. J'aime beaucoup utiliser la croisade. Voyons voir. Donc oui, il m'attaque. Oh purée, d'accord. Ah mais d'accord. On va quand même sauvegarder la partie. Tout de suite. Ah, moi j'aime beaucoup dans Medieval 2 Total War être en guerre sur plusieurs fronts. Ça peut paraître rageant, mais j'aime ça moi. Être faire du être, désolé, faire des batailles sur plusieurs fronts parce que ça apporte un peu de challenge. Et je suis très dégoûté. Devinez pourquoi? Je pensais que la bataille c'était qu'il attaquait le château. Et non, là il fait pas ça. Ce qui signifie qu'évidemment que ma cavalerie va jouer un rôle assez important. Ouais, alors par contre je vais étendre ma ligne parce que là ça risque de faire très mal. Et bon, on va faire un truc qui peut être risqué. Il y en a qui vont dire que je suis un peu autiste sur ce coup-là. Je vais faire charger ma cavalerie comme ça dès le début. Et même, je vais envoyer mes troupes pour les empêcher de tirer. Allez, fumez-moi quelques-uns de ces arbalétriers. Et vous là, arbalétriers, voilà ce qui se passe quand on s'en prend à la France. Je veux dire, excusez-moi, je repense encore à ma campagne de France que je faisais il n'y a pas très longtemps. Toi, 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 vous là, vous allez aller ici. Par contre, vous allez vous dépêcher de venir ici. Quant à mes archers, ben, disons qu'ils vont faire ce qu'ils peuvent. Vais demander à mes archers de tirer sur la cavalerie. À ce niveau-là. Et ici, ils vont bientôt mourir. Et voilà le travail. Avec le général ennemi en moins, ils vont faire moins les malins. Oh purée, le général. J'accélère un peu. Nos troupes sont attaquées. Réagissons
fait passer le temps assez vite. Nos troupes sont attaquées. Réagissons sans tarder. Poursuivre la bataille car j'ai envie de finir cette armée. Pas de survivants chez les Milanais, s'il vous plaît. Bon, on va s'en arrêter là. Ça va, j'ai limité les dégâts. On rançonne. Dieu nous a accordé la victoire. Bon, lui va accepter aussi. Je vais envoyer tout ce petit monde ici. Par contre, là, les agents, c'est... rebelles, voilà. Commence vraiment à m'énerver ces rebelles. À vos ordres, Majesté. Dieu est avec nous. Ceux qui peuvent me voir ne vivent pas assez pour s'en rendre. Je vais faire ça un forgeron. Un honneur. Je vais partir sur Riga. Voilà, un de plus. Voilà. Attends, c'est qui? Je vais fuir. Là, c'est chaud, par contre, c'est vraiment chaud. Attendez 2 minutes avant avant de savoir, avant d'annexer la communauté. Je veux savoir à qui appartient cette communauté. Parce que si ça appartient à l'Angleterre ou à la France, je veux pas. Faut que j'envoie une armée de renfort. Je suis obligé d'envoyer une armée de renfort. Bien, rapport de fin de tour, ok. Stockholm se développe. Pff, intéressant, on verra ça plus tard aussi. Pologne très mauvaise, d'accord. Ok. Bon. Ah bah tiens, ici. Déconstruire les deux ports. On peut passer le tour. Oh mon dieu, on est assiégé de partout là. Bon allez, on l'a fait auto-résolution, on rançonne, rejeté. Là par contre on va reformer tout le petit monde. On répare tout. Et après on va s'en prendre à eux là. Attends un peu. Tiens, je vais plutôt attaquer comme ça. Victoire nette. Bon là, vous voulez pas la faire comme ça la bataille. Ces hommes voilà à ce niveau là. Tandis que ces hommes là. Voilà. Et maintenant nous allons assiéger Riga. Dieu est avec nous, soldats. Au combat. Oui, seigneur, nous assiégeons la communauté. Devons-nous lancer l'assaut maintenant, seigneur? On va faire juste des arcs. Voilà, on va juste faire des tours. Armée de
Ils n'ont rien presque. Milan, d'accord. D'accord. Faction la plus avancée, les Mongols. Forteresse, Bruges. Ça, par contre, je vais faire ça tout de suite. Ouais. Ouais. On va voir ça. Voilà, c'est en train de se faire. Stockholm. Ça, voilà, ça se fait. Bruges, ça se fait. Dublin. Il n'y a pas assez de bonnes troupes. Ça s'est fait à Dublin. York. Un marché. Édimbourg, c'est fait. Quelle est notre destination ? À vos ordres, Majesté. C'est impossible, Seigneur. D'accord. Comment puis-je vous servir ? D'accord, ça appartient à la France, même pas en rêve. On passe le tour. Devant la splendeur de la grande cathédrale que votre peuple vient de construire, toute la chrétienté ressent un profond respect mêlé d'admiration. Le pouvoir de l'Église apparaît plus incontesté que jamais, depuis que le peuple a contemplé cette extraordinaire demeure de Dieu sur terre. La grandeur de ce bâtiment établit la domination de la chrétienté dans tout le pays. Eh ouais. Ce bâtiment est le symbole de l'excellence architecturale et rappelle à tous le pouvoir légal de l'Église. Non, on ne veut pas accepter tout le monde. Guilde des voleurs, non. Comment il m'aime le pape? Ok, il m'aime beaucoup mieux. Vraiment beaucoup. J'envoie ses troupes ici. Que je vais reformer comme ça pour que ça aille. Je vais même débarrasser des arbalétriers car ça me prend de la place pour rien tout ça. Ça me prend du temps. C'est tout. Voilà. Bon, ici on va faire des tours. On va finir sur cette bataille. On va finir sur cette bataille. Dieu protégera les braves. Au combat. Là, on est en train de se forger un bel empire. Ouais, là, je vais approcher mes troupes comme ça. Tranquille. À l'attaque! Par contre, il y a de fortes chances que j'ai beaucoup de pertes. Espérant qu'il ne brûle pas l'une de mes tours, en tout cas, ni mon bélier. Nos hommes dressent leurs échelles contre les murailles. Désolé. Bon, on va voir ce qu'ils ont. Des milices de Vougier, infanterie légère contre mon infanterie lourde. Face au mur, l'ennemi ne peut plus se terrer. Alors assister à l'arrivée des Écossais. Ont apporté le bélier de... Ah mince, ils ont brûlé une de mes tours, mais c'est pas grave. Là, l'image, ça rend bien l'image. Je m'en fiche royalement, j'envoie cette unité à ce niveau-là. Mais cette infanterie n'absolument ne peut rien faire contre mes épéistes nobles. C'est pas une milice de Vougier qui va détruire des épéistes nobles. Ah mince, je voulais voir la tour quand elle s'est ouverte. On la voit un peu ici. Ils peuvent plus rien faire sur ce coup-là. Regardez. Nos troupes sont attaquées. Ah oui, c'est vrai, à ce niveau-là. Et bien, vous savez quoi? On commence à rentrer.
soldats ont prouvé leur valeur en ce jour. Les murailles ennemies sont sous notre contrôle. Voilà. Oh my goodness. Bon. Vu que maintenant les murs sont à moi, je vais aller y placer mes archers et mes archers, voilà. Attention, contact. Je suis d'accord. Ces paysans, quand même, font face à mes nobles de haute terre. Attends, je rêve? Ou ils sont en train de me faire des pertes? Bonjour, on est l'IA et on est bête. Bon, on va plutôt sur la cavalerie. Oh purée. C'est une cavalerie qui tire, ça? Voilà, eux ils montent par les échelles, et eux ils montent par la tour. Pff, vraiment, le temps qu'ils arrivent tous là. Je rêve ou mes paysans, ces paysans non, sont en train de se faire mes hommes des hautes terres. Non, vous allez aller plutôt par là-bas, voilà. Allez. Voilà. Bon allez, là on peut dire que cette unité se sera bien défendue. Massacrez-les-moi, s'il vous plaît. L'ennemi est décimé de moitié. C'est plutôt sur ça, vous. Super, mes unités d'archers ne bloquent pas. Sauf qu'on ne s'arrête pas ici. On continue, on avance, on enfonce. Tant pis, ils sont bêtes. La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Bon, attends, moi, je vais te calmer, moi. À l'attaque. Attention, ils vont m'envoyer leur flèche. Tenez, prenez. Tiens, infanterie dans ta face. On fait comme ça. Et voilà. À l'attaque!
Surprise, motherfucker. La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre. Ouais, non, enfin, en fait, c'est une grosse, une mauvaise idée. Il fait quoi, lui, là? Ok. On va les mettre comme ça. On fait un peu accélérer le temps. Et la tech. Nous avons pris le contrôle de la ville. Chouette. Attends, accélère un peu. Une victoire aussi nette. Vous êtes arrivés trop tard, les gars. Ouais, on a pris la ville. Et voilà. Encore une victoire pour l'Écosse. Qui montre de plus en plus que au nord, c'est elle qui domine. Force et honneur, nous sommes victorieux. Nous avons conquis ces terres avec noblesse. Bon. Victoire. Super. Grande cathédrale, Constantinople, le djihad. Ok, donc les Mongols sont en train de me rattraper. Faction la plus riche, Mongol. C'est pas un problème. Faction la plus avancée, c'est moi. D'accord. Rapport de construction, Hambourg. Ouais. Oslo. J'allais faire ça pour calmer les mondes. Anvers. Un marché. Voilà, des fermes. Quand t'es Ivernes, tiens un port. Et puis voilà. Bon, je vais pas vous cacher. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. C'était pour moi une vidéo bien remplie. Et donc là, on est en train de former un bel empire. Avant de descendre et de repousser totalement les Milanais, il faut que j'en finisse avec les Danois et les Polonais qui se trouvent à ce niveau-là. Dès que j'en aurai fini, je m'attaquerai aux Milanais. Et il faudra qu'on arrive à rejoindre les villes qui sont à ce niveau-là. Tout en faisant attention, évidemment, à ce que le Saint-Empire romain s'en prenne pas à nous. Et à ce que l'Angleterre reste là où elle est et que la France ne nous trahisse pas. Bon. Voilà, on fait juste ça. Voilà. Bon. Bon, ben, on va s'en arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, ben, je vous invite à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour la suite de la campagne. Au revoir.